Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Amenez-moi Police. Ou Amenez-moi la Police. Attends, je te mets la bonne scène. Ok, du coup, c'est un jeu auquel j'ai joué il y a un an sur la chaîne. C'était un truc un peu pas beaucoup développé. Non, il y avait vraiment le niveau qui était avec plusieurs endroits, tu te rappelles. Ça s'appelait Liminal Space, tu vois. C'est un peu comme des backrooms, mais il n'y a pas que ça. C'est des variantes de backrooms. Il y avait des endroits avec de l'eau et tout. Tu sais que je kiffe de l'eau, j'étais devenu fou. Moi, je kiffe tout ce qui est aquatique. Et tout ça, il y avait comme un parc aquatique. On va repasser là-dedans les rails. Mais là, en gros, le développeur, il a comme sorti le chapter 1, tu vois, le premier chapitre, tout simplement, de manière, le produit fini, tout simplement, tu vois. Du coup, on va tout simplement se replonger là-dedans. Et voilà, est-ce que tu te rappelles ce petit parking là? Il y avait un petit parking, ma gueule. Toujours la même Merco, ouais, c'était une Merco, apparemment. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Ok, donc, il me semble, ça n'a pas beaucoup changé, tu vois. Tu vois, c'est Amenez-moi Police. Amenez-moi Police. Et bref, là il y a un truc où je crois on va tomber ou je sais pas quoi. D'accord, faut faire quoi là? Tac, il y a un câble. Est-ce que quelqu'un a trifouillé là-dedans? Tu vois, là ça va nous emmener dans un bail et on va tomber comme dans les backrooms, you know. Ouais, bon, c'est que des trucs agréables ici, bien sûr. Backrooms, quel bel endroit. J'aime bien paumer là-dedans. Ah! Il a dit marde avec un écho et tout ça, c'est trop stylé. J'aime bien. Ah, il a retravaillé ça, j'ai capté le son. Moi, je porte beaucoup d'attention au son, c'était remarqué. Du coup, on retombe dans cette belle piscine, ma foi. Il n'y a toujours pas de maître nageur. Alors, je vais tout casser. Hein. Pardon, non mais je suis un peu dans le bail. Je devrais être mort maintenant. Normalement, je devrais être mouru. I should be moru, man. Je devrais être une morue, ce qu'il a dit. Et du coup, donc forcément, quand tu tombes de très très haut, normalement, l'eau, même si tu peux plonger dedans, normalement, ça devient comme de la pierre, sa grammaire. Et bref, là, je sais plus, il y a un truc à faire. Peut-être que là, ça ira un petit peu plus vite, sachant que on a déjà fait ça, mais que du coup, moi, j'ai hâte de passer aux nouvelles zones, tout simplement, tu vois, parce qu'il y aura de nouvelles zones. Et ça me fait tout simplement plaisir. Là, je pense qu'on va enchaîner assez rapidement. Tu verras des trucs très rapides qui vont venir. Ouais. Alors, du coup, là, je sais qu'il y a une plateforme à faire bouger en haut. Aïe, aïe, aïe. Mais en fait, c'est pas de l'intelligence. Il faut dire la vérité, les reilles. Si, c'est de l'intelligence que je raconte. Non, mais j'allais dire, en fait, c'est pas de la chance ou de le fait que je me rappelle ou non. C'est là, j'ai retravaillé, bien sûr, mon cerveau pour. Il y a toujours pas, il y a pas des reflets en RTX ou je sais pas quoi. Hein. Ouais, non, malheureusement. Ouais, tu peux observer. Qui a besoin d'une piscine souterraine? Tu vois, en fait, c'est comme si le perso, il avait des petites réflexions personnelles, ma foi. Alors là, on peut un peu nageouiller dans l'eau. Ça aurait été bien de rajouter une physique pour l'eau, frérot, entre-temps. Alors là, franchement, regarde, c'est quoi ces reflets cubiques, là? C'est quoi ce reflet, là? On dirait qu'il s'arrête au bout d'un moment, là. C'est quoi ça, là? Là, je crois qu'il y a un truc à faire avec un petit laser ou un petit... Je sais pas, il y a un truc bizarre. D'accord. Ou de la lumière. Je crois que c'est de la lumière. Alors, bien c'est ça, là. What is this, man? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Je me rappelle pas de ça, moi. D'accord, on dirait que je suis en train de mettre de l'eau quelque part. Ah, là, j'ai... Ah, je pense que j'ai transféré le jet d'eau ici, n'est-ce pas? Et du coup, peut-être que ça va péter la vitre ou un truc comme ça. Ah, voilà. C'est comme si ça éclatait le système de keycard. Oh, mais par contre, je me souviens... Oh, non. Il y a un moment que j'ai pas... Attends, je peux ouvrir ça aussi? Mais ouais, je voulais partir chez les femmes. Par contre, je me souviens pas trop de ça. Hein? Ça, par contre, je me souviens pas. On peut appeler de l'aide. Quelqu'un est là? Hello? Non, ça par contre c'est nouveau. C'est vraiment nouveau parce que... Ah non, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des trucs nouveaux de sitôt. Là, je me sens comme prêt au dépourvu, tu vois. Hey, en plus, t'entends des bruits électriques, tu vois. C'est pas rassurant, frérot. Il y a pas de présence humaine, il y a que des placards, frérot. Quoi, je vais pas parler à des placards? Wow! Non mais ça m'énerve après. Par contre, la musique... Oh... J'avoue, c'est pas mal. Ok, mais là, il se passe quoi? J'ai l'impression que je dois grave ouvrir des trucs, là. Tu ouvres. Peut-être à un moment donné, tu vas tomber sur quelque chose, hein. Je sais pas. C'est comme ça. Ah, mais là, vraiment, ça, c'est nouveau, les rayons. Vraiment. Ouais, je me souviens de ça, du tout. Aïe, aïe, aïe. Attends, ça fait flipper, ça, par contre. Oh, j'ai juré les grands espaces vides. Quand je dis vide, ça veut dire avec personne dedans. Je vais tout casser. Attends, est-ce qu'on peut ressortir d'ici, peut-être? Oh non. Ça me dit juste, il faut entrer dans le prochain niveau. Ah, mais pour ça, il faut trouver l'entrée, mon ref. Non, mais il y a un moment qui m'a fait trop bader.
Bon, c'est pas pour vous spoil, tu vois, pour ceux qui l'ont jamais vu. Mais en tout cas, c'était horrible, sa mère. C'était un truc, mais... Oh, c'est quoi ça? Un ticket? Hein, j'ai 5 tickets, frérot. Mais attends, frérot, c'est des tickets bizarres, ça. Attends, me dis pas, on doit vraiment ouvrir tous les trucs pour trouver some buys, man. Maybe I have to find some buys here. Je suis en train d'ouvrir, ma foi, mais je sais pas. Par contre, c'est satisfaisant, l'ouverture. Alors là, ce gameplay ouverture, les frères, c'est incroyable. J'ai jamais vu de l'ouverture pareille, là. Il y a encore des placards derrière. Mais ouais, je t'abuse, mec. Oh, satisfaisant. Ouh, j'aime bien ça. Non, mais regarde, regarde. Tac, 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 tac. Faut vraiment tout ouvrir. Ah, tu t'ouvres, toi. Tu fais trop de lumière, toi. Plutôt, tu fais trop de bruit. C'est quoi cette lumière, mon ref? C'est un truc de fou. Ouais, j'en dirais un tracteur, ma gueule. D'accord, bah on a pratiquement tout ouvert. Tu veux quoi d'autre, mon ref? Tu vois, c'est ça que je... Ah, ouh. Ça, c'est bien. J'ai encore des tickets. Ça me fait 10 tickets. Mais wesh, tu joues à quoi, ma gueule? Pourquoi j'aurais besoin de ces tickets? Tu me dis juste, t'as des tickets, mais ok. Regarde, encore une fois, un gameplay ouverture, les frères, s'il vous plaît. Applaudissez dans les commentaires parce que là, j'en peux plus. Oh là 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 là. Oh, waouh, 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 waouh. Y'a rien, tout ça pour rien, mais au moins, c'était trop cool à faire. Et dans les pissoirs, y'a pas un truc à faire? On peut pas pisser, tout simplement? Oh, ah, je peux ouvrir ça. Pourquoi tu m'éblouis comme ça? Eh, mais wow! J'ai jamais vu de la lumière aussi éblouissante. Allez, on va tout ouvrir. Ça se trouve, ça va. On va péter une tuyauterie, on va passer dans la tuyauterie, on va devenir tout petit. D'accord, non, ça fait juste plus de bruit. Et ça fait un peu flipper, je te jure. On peut faire des chasses d'eau. D'accord. Et pourquoi, en fait? C'est ça la question, mon ref. Est-ce que je peux me mettre dans la chasse d'eau? Je sais pas. Mais wesh, ça me rend fou! Ah! J'avais pas trouvé ça. Tu penses que je devais trouver ça? Oh non, ah, ok, ça je connais pas. D'accord. Ouais! Wow, ça fait comme si je prenais ma douche. J'adore. J'espère juste ne pas arriver. Hein? Alors là, par contre, je suis perdu et j'aime pas. Parce que je pensais pas que le contenu nouveau, on le verrait de sitôt. Tu vois ou pas? Tu vois où je veux en venir? C'est-à-dire là, ça se trouve. Ah, des tickets encore. C'est-à-dire là, en fait, ça se trouve, on va être surpris par d'autres trucs. Et je vais être. Étonné, ma foi. Vous verrez des réactions incroyables de ma part. C'est la sortie? Non, mais je serais déçu si je trouvais la sortie directe. Et de toute façon, la sortie, elle est jamais indiquée aussi facilement dans les jeux comme ça, mon ref. C'est le but. C'est que tu sois paumé, tu vois. Ok, ah là par contre ça me met mal, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va se passer là. Ou bien il va se refermer devant ma gueule. Attends, tu penses que c'est juste ça? Elle est bizarre la porte, c'est quoi ça? Ah non, c'est fermé. Et ça aussi je suppose c'est fermé. Ouais c'est fermé. Ok, bon let's go, on va prendre l'ascenseur. Ok, donc voilà, pour l'instant ma foi un gameplay souterrain dans un endroit un peu toilettique, vestiérique, hystérique ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on a là, man? Montre-moi très vite parce que je suis très impatient. L'ascenseur est bloqué, les frères. Ah, ouh. Wesh! Je connais pas du tout. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu serais paniqué si tu te retrouvais dans un endroit comme ça, grand, sans explication, mais avec une musique agréable comme ça? Regarde, regarde, écoute. Oh, ça, c'est des belles instrus, j'adore. Enfin, bref, est-ce que toi, tu serais paniqué ou tu te dirais... Oh, pour une fois... M'arrête de me parler, toi! Tu éclates ma sérénité! J'allais dire, est-ce qu'au contraire, ça te repose pas en mode... Enfin, il n'y a pas beaucoup de monde, parce que y a des agressions extérieures, tu vois. Fois 100. Attends, je vais tout casser. Il me faut 100 tickets pour partir. J'en ai 15. Mais là, je suis dans la merde, les reilles. Pour aller dans le truc aquatique, il me faut 100 tickets. Mais il faut m'emmener dans une salle d'arcade à ce stade, frérot. Je peux pas tous les trouver. Oh non. Mais regarde-moi, c'est cette grandeur, frérot. Ouah, c'est combien de locaux tu peux faire ici? Combien de locaux d'youtubeurs? Combien de... Oh là là! Mais c'est un truc de fou! Tu mets un bureau tout là-bas, un autre bureau tout là-bas. Il y a une ouverture là où c'est des... Ah, je me suis fait avoir. On dirait des porte-manteaux, mais c'est pas du tout ça. Ouais, ouais. Si, on dirait un peu comme des porte-manteaux. Mais par contre, j'avoue, ça ferait flipper. Tu vois, au milieu de tout ça, de tout ce vide, bah, qu'il y ait une seule autre personne, ça me stresserait. Je me dirais, putain, il est où? Tu penses que t'es tout seul et il est juste derrière toi, frère. Ah, et ça, c'est 75. Hein? 75 crédits pour aller là. Mais attends. Et où est-ce qu'on chope les credits, please? Là, normalement, ça aurait pu être, je sais pas, comme un petit endroit où tu peux acheter à bouffer. Mais bon, apparemment, ils veulent rien nous servir ici. Ok, bref. On va essayer d'aller là-bas. Peut-être que c'est là-bas qu'il faut aller voir. Hein. Alors, ça dit la surface. Comment ça? Il reste 5 ascenseurs. Il faut 5 ascenseurs avant d'arriver ici? Je comprends rien. Ah, là, il faut 40, tu vois. Mais j'ai toujours pas 40. J'ai 15 tickets. Il me faut un truc, tu sais, avec très peu de tickets, tu vois. Ou peut-être qu'il faut que je revienne en arrière, fouiller et trouver 40 tickets. Attends, là, c'est combien de tickets, s'il te plaît? Oh là, c'est 100 tickets. Oh là là, 100 tickets, ma gueule. Je suis fauché, moi, mon ref. T'es fou, quoi. Tu vois, ça, c'est pour aller au ciné. Oh, mais c'est incroyable. Ça veut dire qu'il y a, genre 4 niveaux avant d'arriver à Anemoi Police. Avant d'aller à la police. Ah, ça, c'est le spa.
aerobic fitness and relaxation. Le spa avec un mec très chelou qui te suit. Non, je connais ça. Non, je connais très bien. Ok, et ça? Ah, zéro ticket! Conférence! Ah. Ok, non, il m'a fallu un certain temps, je te jure, pour comprendre que c'était divisé en plusieurs niveaux, tout ça. Bon, mieux vaut tard que jamais. Ah! On dirait des gigalobbies d'hôtels, tu vois ou pas? Là où il y a des réunions, tout ça. Oh là là là. Oh non. Ah, j'aime à moitié. Ah ouais. Donc en fait, j'ai l'impression qu'au final, la démo que le mec il a proposée, elle était quand même assez condensée. Ça veut dire vraiment là, il a pas mal taffé. Hein. Il a vraiment pas mal taffé. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais le problème, c'est que je crois que dans chaque niveau, il y aura des trucs un peu effrayants. C'est quoi ça? Oh, 5 tickets. Donc là, on va trouver les tickets, les frères. Hein. Imagine en fait, t'es poursuivi par quelque chose. Oh non. Moi qui pensais que ça allait être un jeu, mais trop cool et tout. Parce que la démo, j'avais kiffé. Hein. J'avais vraiment bien aimé l'ambiance. Il y avait un moment que j'avais pas du tout aimé. Mais à part ça, tout le reste, c'était vraiment masterclass à ton prime. J'ai peur, je vois un truc débarquer. Ça a pas l'air d'être ce genre de jeu, hein, de voir des trucs. Ça, c'est des trucs subtils, ce jeu. Pourquoi il y a eu un lag? Je te jure, il y a eu un lag de chargement. Me dis pas qu'il va se passer un truc. Oula. Oh, j'aime pas. Il y a des tickets là ou pas? Même pas. Oh non. Oh, ah, ça me met mal les reins. Regarde-moi cette ambiance. Regarde-moi cette ambiance du chétan. J'ai envie de me baisser avant de me diriger là-bas. D'accord. Ça m'emmène à encore de plus grands endroits. Mais là, je me suis perdu carrément. Je sais même pas comment je fais pour revenir là où j'étais à la base. Et pourquoi ces chaises, elles sont dérangées comme ça? On peut même pas les bouger en plus. C'est fait exprès. Ça veut vraiment dire que c'est voulu que ce soit comme ça. Ces chaises, elles sont dérangées et elles ont décidé de l'être. Putain, mais en plus, il y a que l'écho de tes bruits de pas. Oh, c'est angoissant. Et c'est sombre un peu là-bas. Normalement, il y a pas de danger. Oh, c'était le virage le plus long de ma life. Oh, regarde, tu fais ça. Il y a 300 mètres devant toi. Tu fais ça. Il y a pareil, 15 mètres devant toi. Oh, mais le développeur, c'est trop un mec méchant. Il est trop méchant. Parce qu'en fait, il te fait des virages. Tu sais pas ce que tu verras. Ça te met mal. J'ai envie de longer les murs comme ça, là. Me faire oublier. Oh mon dieu. Oh non. Je suis mal. Et genre, dans la vraie vie, là, je me sens mal. Il me met dans un malaise. Mais je me dis, imagine, on trouve pas assez de tickets. On n'avance pas, en fait. C'est un truc de fou, non? On est obligé de trouver ces foutus tickets. Sinon, c'est tant pis. Oh, j'ai eu trop peur. J'ai juré avoir entendu quelque chose. Au moins, il y a un peu de musique. J'entends un peu de musique. Ça détend un peu l'atmosphère. Oh non, regarde la distance. T'es mal à distance, mon ref. Oh, je suis pas bien. La vie de ma mère, je suis pas bien. En fait, c'est anxiogène. Je me sens comme si, à la fois, je viens de là ou pas? À la fois, en fait, il y a grave de l'espace, mais je me sens serré, en fait. Je me sens comme si on mettait la pression, tu vois. Je crois que je suis pas venu ici, hein. Ah, c'est grave des tickets. 50 tickets, les refs. Et je crois qu'on peut se tailler, là. Par contre, je suis trop curieux. J'ai envie de voir qu'est-ce qu'il y a par là. Qu'est-ce qui se trame par là? Parce que je pense pas que je suis venu ici. Attends, ça nous emmène où? Oh non, j'aime pas ça. Arrête de titiller ma curiosité comme ça. Non, arrête. Y a quoi au tournant? Je suis en train de longer. Oui, y a rien. Je suis pas bien, mais je le fais quand même. Ok, c'est bon, y a rien, les reilles. Y a rien. C'était juste une feinte. Oh là là. Bah, je te cache pas, je suis bien pressé qu'on se taille. Regarde ça, pour moi, c'est la mort. Tu fais un virage comme ça, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. J'aime pas, j'aime vraiment pas. Peut-être que vous allez me trouver bizarre. Mais moi, je me comprends. Oh, encore des tickets! Merci pour les tickets. Non, mais le bail de 50 tickets, il m'a mis bien. Alors, tu penses qu'on peut se tailler directement ici, là? Vas-y, je vais essayer, hein, si on peut partir. Oh, on peut partir. Et je crois qu'on peut déjà passer au cinéma, parce que cinéma, je crois, c'était seulement 40 tickets. Donc, ça va. Moi, je pensais que le développeur allait nous faire galérer à trouver ces tickets, mais ça va en vérité. Je trouve que c'est assez modéré. Ouais, la difficulté est modérée. Oh là là, je te jure, ça, je sais pas pourquoi ça me donne comme un mal de crâne. Je te jure, ça me prend. Oh, pourquoi j'ai cru qu'il y avait un truc à échanger là-bas? Je sais pas, tu trouves pas qu'il dérangeait le stand là-bas maintenant? Bon, vas-y, on descend direct. On va au cinéma. Ah, c'est quoi ça? Eh, mais je suis pas parti. Country Club! Mais ouais! Mais Country Club, c'est grave un truc de riche, les reilles. C'est une dague. Ah, je crois que je sais sur quoi on va tomber. Je suis point sûr! Mais on va s'en assurer. Mais je crois que c'est super consistant, en vrai. Alors là, je suis désorienté. D'accord. Non, mais ok, je le déteste, le mec. Hein. Il va nous mettre dans plein d'endroits. Différents qu'on ne connaît pas, qui nous mettent mal à l'aise. Oh non, premier trou, d'accord. Ah, il faut jouer là? C'est une blague, mon ref. Ok, bah il faut essayer de la mettre, en fait. On va essayer de la mettre. Attends, j'ai dit hop. Oh merde. Mais juste attrape la B. Voilà, on va la mettre ici. Maintenant, attends, on va faire un coup de maître. Tu vas me dire, waouh, frérot, t'es trop fort. Attends, ça c'est quoi? C'est la force. Ah ouais, non. Mais tu fais quoi? Ah non! Pourquoi t'as fait ça? C'est très compliqué de viser, hein. Wow! Pas mal ce que j'ai fait là. Wow! Hey, je suis comme un professionnel, les reilles là. Tiger Woods, dans l'âme. Ok, attends, regarde. Regarde-moi ce professionnel. Ouais! Il me dit comment il s'est fait chier à coder un mini-golf ici, le reille, c'est. Attends. Faut vraiment qu'on la fasse rentrer, hein. Je pense que ça va nous donner peut-être des tickets ou des. Je sais pas. Tac. Oh, mais ça devait rentrer là! Je vous jure, s'il me donne rien, il m'a éclaté mon cerveau là, les reilles. Tac.
Oh. Quoi? J'ai fait tout ça pour rien et je vais tout casser. S'il y a rien comme, comme cadeau là ou récompense, mais je vais m'énerver. Hein. Je vais m'énerver fort. J'ai vraiment cru qu'on allait la faire entrer. Hein. C'est rentré puis c'est sorti. Attends. Allez, oh! Ça va pas ou quoi? Ouais, c'est rentré. Allez. Ah bah, je vais tous les mettre, hein. Putain, mais il y a 4 trous, mon ref. C'est beaucoup. C'est pour quoi faire. J'espère vraiment que je vais avoir genre 100 tickets à la fin, mon ref. Quand il avait dit Country Club au départ, je t'avoue, je m'attendais à autre chose. Ouais, super. Oh, mais celui-là, il est grand, wesh. Allez, mets de la force de fou, ma gueule. Look at this. Regarde comment il va faire. Bim! Wow. Wesh, regarde où il est ramené. Imagine le traître. Pendant que toi, t'es en train de te concentrer, il y aura quelqu'un qui va venir derrière toi. Ok, donc là, trou 5. Mais il y a combien de trous? J'ai besoin de savoir. Oh, mais il est galère, lui, wesh. Wesh, je dois faire tout ça. Et encore? Mais ça va durer combien de temps, ma gueule? Non, 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 il faut qu'il y ait une... Quoi? Mais tu sais que là, j'étais pris dedans, j'allais continuer encore? Mais fais un jeu de golf directement, pourquoi tu nous prends la tête? Quoi? 8? Non, non, en fait, on n'est pas obligé de tous les mettre. Non, 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 non. Mais wesh! Quoi? Attends, là, je suis en train de me demander si c'est pas procéduralement fait... Mais non, mais c'est ce qui a pris du temps pour qu'il sorte le chapitre 1, les rayons. Hein. Parce que ça fait un an que c'est en train de développer. Wesh, la vie de ma mère. Non, non, il abuse. Il abuse, il abuse. Vas-y, viens. Ah, mais pour moi, rien que c'est une épreuve déjà juste de faire 12. Oh, putain, par contre, ça fait peur. Il y a quoi dans la sortie vraiment? Est-ce que la sortie est fait vraiment sortir? Ah ouais? Moi, je suis choqué. Je pensais vraiment qu'il y aurait une douille. Vas-y, fais-moi revenir. Eh? Oh? Hein? J'arrive pas à revenir. Les rayons, il est en train d'éclater mon cerveau. Oh, quoi? Non, la vie de ma mère, c'était pas ça. La vie de ma mère, il a éclaté mon cerveau. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça à la base. On peut se tailler d'ici. Mais pourquoi on est venu à la base? On est venu pour qu'il nous casse la tête. Ah voilà. Ouf. Attends, c'est moi. Est-ce que c'est moi? Je me suis trompé d'entrée? Ou est-ce que je... Non, mais vraiment, vraiment, vraiment. Parce que c'était pas possible. Ça finissait pas. Allez, trou 14 encore. Non, mais là, t'es en train de jouer avec mes sentiments. Tu joues avec ma tête. Là, c'est moi la balle de golf. Oula. Non. J'ai pas aimé. Wow, les virages de salopard, arrête. 15. Mais comment c'est aussi grand? Non. Regarde. Non, mais c'est pas le Country Club, ça, c'est le Khalia Club. Non, mais c'est sûr qu'il y a un truc qui est fait procéduralement. C'est sûr. Parce que là, ça n'en finit pas. Hein. Là, je suis au 16. On va rentrer. Je suis sûr, il y aura le 17 encore. Et ça va pas en finir. Hein. Celui-là, il est dur. Oh là 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 là. Regarde les petits trous de souris là. C'est quoi ces histoires? Il me prend pour qui lui? 18. Non, mais j'ai envie de voir jusqu'à quand est-ce qu'il va se foutre de notre gueule. Parce qu'il n'y a aucun moyen. Ça continue encore, tu vois. Ouais, non, non. Ça continue à l'infini. Il est en train de me mener en bourrique. Allez, viens, on se taille, viens, on se taille. Tu vois que ça n'a pas de sens. Tu vois que ça n'a pas de sens. Regarde. Rappelle-toi bien du chemin qu'on a fait. Hein. Regarde. Disons que là, j'ai envie de retourner là-bas. Regarde ce qu'il va nous faire. Non, parce que c'est exactement ce qui s'est passé tout à l'heure. Hein? Ouah, non, non. Il m'a éclaté mon cerveau. Il m'a éclaté mon cerveau. C'est pas vrai. Non mais je suis pas fou. Non. J'ai cassé le jeu ou c'est le jeu qui m'a cassé là? Vas-y, continue de tomber. Ça se trouve, on va tomber dans un niveau secret. Non, a priori, non. Là, je suis en train de tomber à l'infini, les rayons. Ok, donc, règle numéro 1 du Country Club, c'est ne pas jouer au mini-golf. Il ne faut pas, rappelez-vous de cette règle. Tu ramasses juste les tickets et tu te tailles. Tu rentres pas là-bas, c'est la porte du chétan, Starfall, là. C'est abusé. Ok, c'est quoi, ça, là? Ah, ça commence par là, le trou 1. Non, mais c'est bon, frérot. Hein. Moi, je vais rentrer. Hein. Je vais juste rentrer à la maison, moi. Hein. Je veux rien d'autre. Non, oui. Fais-moi rentrer à la maison, s'il te plaît. Vraiment, je vais prendre l'ascenseur et je vais me tailler. Non, mais parce que c'est bon. Moi, il m'a... J'ai mal à la tête. Tu comprends quand je te parle? J'ai mal à la tête, là. Je veux aller autre part. Non, on va aller au ciné, je pense. Moi, je suis là, je veux jouer à un jeu pour me libérer la tête. Lui, il a pris mon cerveau, il a fait crac. Il m'a fait beaucoup de mal. Vraiment beaucoup de mal, les rayons. Bon, on va tomber puisqu'il a des chevilles très très solides. Et on va aller du coup au cinéma. Le cinéma, je sais que c'est 40 tickets, on peut se permettre, tu vois. Alors, on insère. Voilà. J'espère que celui-là, il va pas trop nous casser la tête. Normalement, non, ça devrait le faire. Non, mais je comprends pas vraiment. Ça veut dire, ça se trouve, il y a vraiment quelqu'un qui a dû passer une heure à jouer au mini-golf en croyant que peut-être ça allait débloquer quelque chose, ça va juste bloquer ton cerveau. C'est tout, mon ref. Tu vas juste gaspiller tes neurones là-dedans. Comment ça, il faut 10 crédits, 10 tickets pour rentrer à la maison? Attends, c'est une prise d'otage en fait. T'es fou quoi? Pour l'instant, j'aime bien en tout cas, à part les grands endroits, tout ça, il n'y a rien d'effrayant. Pour l'instant, mais moi je sais que par la suite, les rays, et pour ceux qui ont vu mon autre vidéo, je sais que tu sais que voilà, ça va pas être très cool par la suite. Attends, mais ça veut dire techniquement, je peux rentrer là? Enfin, je peux déjà rentrer à la maison? Ouais. Attends, ça m'emmène où ça? Oh, ça m'emmène là. Ok, je sais pas si c'est une bonne idée. J'espère qu'il y aura quand même une grande salle. Dolby Cinema, IMAX. Hein? Vraiment, je crois que ça va nous emmener dans une grande salle. C'est quoi ça? C'est le hall du ciné?
Oh là, tais-toi ma gueule, tais-toi. Tu vas attirer des esprits bizarres là. Wesh, pourquoi il fait noir comme ça là? Donnez-moi un flashlight. C'est quoi ça? Pourquoi je m'aventure en plus? Eh, je suis fou moi. Non. Oh, c'est quoi ça? Oh, le mannequin, il m'a fait trop peur. La vie de Wam, le mannequin, il m'a fait trop peur. Putain, en plus, je peux pas sortir d'ici, je me suis bloqué. Je suis dans un magasin, les reilles. Ah, au moins, il y a grave des tickets. Là, je suis yam de fou. Ça va, la prise de risque en valait la peine. En espérant qu'au retour, il n'y aura personne. Ouf, ça va. Mais oh là, les lumières font des bruits. Oh, ça, c'est bien. Oh, j'adore. Très satisfaisant, ça, par contre. Hein. Oh, j'adore. Mais vraiment, en fait, c'est un mélange de trucs angoissants et satisfaisants. Il y a de l'angoisse, il y a un peu de satisfaction. Il y a une partie de mon cerveau qui aime, l'autre partie qui est genre, je sais pas, maltraité. C'est trop bizarre, vraiment trop bizarre. Là, par exemple, j'ai kiffé. Mais tout à l'heure, dans le noir, là, dans le magasin, j'ai pas kiffé du tout. Oh, regarde les boules. Je jure, j'en ai fait bouger un peu. Mais je crois qu'elle bougeait le même. J'ai l'impression qu'elle bougeait le même. Ok, là, concrètement, je peux faire quoi? Faut que j'ouvre un truc, là. Le mannequin, fais quelque chose. Bouge-toi, ma gueule. Ressaisis-toi. Ah, mais il y avait un panneau. J'avais pas vu. Oh non. Mais même le labyrinthe. Là, c'est des backrooms, frérot. C'est quoi ça? C'est trop grand. Ok, maintenant il faut faire l'autre. Alors, oui, ça m'a l'air simple là. Voilà, tac, tac, tac. Mais c'est vrai qu'à force qu'il y a des traits, tout ça, t'as l'impression que c'est compliqué. Merci, je suis libre. Et ah, et ça ouvre ça aussi. Parce que j'allais dire ça à la limite, on l'avait déjà. Mais tu m'as niqué, il y a plus la porte. Ah voilà, c'est par là. Parce que je me disais, il est où la porte? Oh non, le mannequin. Le mannequin, il est où? Il était là, il est dans le petit trou là normalement, non? Il est dans le mur, il est comme incrusté dans le mur. Oh non, oh, je suis pas bien. Pourquoi il y a deux cartons comme ça au milieu? Why? Oula, doucement, doucement. Non, tout se passe pour le mieux, tout se passe pour le mieux. Peut partir ou pas? Ouf. C'est pas fini! Mais c'est pas un cinéma ça, c'est quoi? Wow, arrête de me faire du ménique là. Regarde, il y a un mannequin là. Pourquoi il y a un mannequin en liberté? Les mannequins, ils doivent se trouver dans les vitrines, monsieur. T'as rien à faire ici. Bouge pas, s'il te plaît, hein. Tu bouges pas. Oh là là. Et alors là, j'ai cru que le jeu il allait crash. Non, là, s'il bouge, je vais pas être bien. C'est sûr qu'il y aurait un bail comme ça. Oh non, regarde la sortie du chétan. C'est quoi ça? Essayez de voir s'il y a pas des tickets dans le coin. Parce que normalement, on peut toujours en trouver. Après, on est yin, ben, niveau ticket. Mais on sait jamais, c'est jamais de refus, quoi. Là, quand je vois les tapis comme ça, tu vois les moquettes, ça me rappelle vraiment le Pizza Plex dans Five Nights at Freddy's. Je kiffe. En vrai, je te jure, j'aime beaucoup. J'ai juré il a bougé, lui. J'ai juré il a bougé. Voilà, j'étais sûr. J'étais sûr qu'ils allaient faire un truc avec le mannequin. Écoute, si t'as un truc à me dire, fais-le maintenant. Attends. 1, 2, 3. Soleil. 1, 2, 3. Soleil. 1, 2, 3. Non, c'est bon, j'ai pas envie de jouer avec lui, mais je sais qu'il bouge. Je le sais pertinemment, je le sens et je sais qu'il était pas là-bas. Donc là, le mannequin, il bouge. C'est bon à savoir. Et il y a un truc là, on peut monter? Ah non, c'est l'ombre, on dirait que ça pouvait. Bref. Mais attends, je rêve où il a encore bougé. Oh là, il a encore bougé. Mais je vais le niquer, le mannequin, je vais le niquer. Ah! Il a encore bougé le mannequin. Il a encore bougé. Oh non. Oh, j'ai trop des frissons de fou malade. Oh, je suis pas bien. J'ai trop envie qu'on se casse. J'ai trop envie qu'on se casse très 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 vite, s'il te plaît. Là, je suis mal. Elle a dit, je peux pas partir au-delà de ce mur. Peut-être que je peux trouver un truc sur lequel je peux mettre debout. Non, mais je te déteste. Le mannequin, je sais qu'il va se mettre au niveau. Regarde, il bouge. Wallah. Il se balade trop librement. J'ai que des frissons. Oh, j'ai des frissons de partout, sa grand-mère. Hey, il faut se mettre au-dessus, là, en fait, c'est ça? Il faut que je ramène un truc sur lequel me mettre. Mais quoi? Qu'est-ce que je peux. Tu veux que je ramène ta grand-mère? Qu'est-ce que tu veux d'autre, frère? Regarde, il a tellement bougé qu'on le voit plus. Oh putain, ça me met trop mal. Oh mon dieu. Regarde, il va être dans le coin, là, je crois, non? Il s'est pas réinitialisé, juste il bouge, en fait. Bah écoute, fais comme chez toi, moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce qu'apparemment, ici, les mannequins, ils sont trop à l'aise. Mais en plus, qu'est-ce qu'il essaye de me dire? Tu vois, tu veux me déglinguer? Tu veux me faire quoi, frérot? À un moment donné, il faut être clair avec faut dire les termes. Ah, mais j'avoue, je suis pas venu ici. Peut-être qu'on peut trouver quelque chose. Hein? Oh, je l'ai porté. Enfin, pas je l'ai porté, mais je le tire. Oh, c'est trop bien. Donc, il pensait que ça. Enfin, que je pourrais pas. Par contre, ça barre un peu ma vue, mon ref. Donc, je suis pas très rassuré de ça. Moi, j'ai besoin de garder un œil, tu vois. J'ai besoin de garder un œil sur. Voilà, reste derrière moi. Garde un oeil sur le mannequin là. Ah, tu connais les mannequins, frère, ils sont trop à l'aise. Attends, vas-y, je vais le baffer avec le truc là. Je vais te baffer avec ça, mon ref. Regarde, tac. Non, d'accord, il s'en fout. Non, après il va partir avec, frère. Non, c'est bon, viens, ramène-le. Attends, imagine en fait, il est juste derrière le bail. Dès qu'on l'enlève de notre vue, il sera là. Attends. Non, ça va, il est loin. Franchement, je préfère. Je préfère comme ça. Hein. Tac. Voilà, je pense que là, c'est assez bien, non? Mais lâche-le, mon ref. Voilà. Oui! Oh là là. Bah là, c'est un pizzaplex. Aïe. Là, on est yamblé rey. On est à l'abri de ce foutu mannequin. T'es où maintenant, mannequin? On t'entend moins, hein? On t'entend moins, mon ref. C'est là que tu le vois courir vers nous. Je vous ai dit, c'est pas ce genre de jeu, mais quand même, il y a des endroits, je te jure, t'as juste envie de te tailler. Ah! C'est pas fini. Nom de Dieu. D'accord, non, mais je pense qu'il a beaucoup de choses à dire. Ouais, il a énormément de choses à dire, ce jeu. Et oui, je pense que c'est pas fini, hein. Ah, on peut ouvrir ça? Ah non, referme mon ref. Non. Pourquoi faire frérot? C'est quoi ces portes là? Ça, c'est un truc de fou. Attends, voilà, là il y a un truc. Ouf.
Ouf, la dinguerie. C'est quoi ça? Ah, c'est une salle de ciné. Oh, il est bizarre le film ce soir, les créés. Ouf, 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 c'est quoi ça? In the spirit of individual enterprise. Oh non, c'est quoi vos bails bizarres là? Attends, attends, attends. Faut qu'on arrête le film là. Faut qu'on aille à la salle de projection là. Mais arrête, tu me fais mal à la tête avec tes visuels là. C'est quoi cette merde là? À la fois ça m'hypnotise et à la fois ça me terrifie. Je sais pas, c'est deux sensations bizarres. Et bizarrement, mon gars là, il est plus lent, j'ai l'impression. Ou bien c'est parce que cet endroit est tellement plus grand qu'au final, t'as l'impression de pas trop avancer. Je te jure, j'ai l'impression qu'il est plus lent. Trop chelou. Ouf, c'est quoi ça? Encore une salle de ciné? Mais c'est pire qu'avant, mon ref. Par contre, on dirait que c'est fait par une IA. Bah écoute, moi, tant que ça me permet de choper des tickets, c'est pas mal, hein. Par contre, s'il y a le mannequin encore, je vais pas kiffer, hein. Par contre, là, on a assez de crédit pour aller à Enmoapolis, là, ou je sais pas quoi. Comme ça, peut-être, on pourra sauter quelques niveaux, peut-être. Quelques niveaux qui nous cassent la tête. Non, mais ça se trouve, en vrai, il y a que le ciné, et puis après, c'est tout, hein. Après, il y a Enmoapolis et. Ah, il y a le spa. Oh putain, le spa. Mais en vrai, c'est quoi Enmoapolis? Ça se trouve, on l'a même pas fait, hein. Je te jure, ça se trouve, on l'a même pas fait, ce truc. Parce que je crois que le bail aquatique et tout, je sais pas, pour moi, c'est. Hein? Oh la dinguerie! Des grands tickets sur lesquels on pourra marcher pour se tailler d'ici. C'est assez poétique, ma foi. Attends, je voulais m'assurer s'il y avait une porte. Ah non, ça va, il y a comme une ouverture, mais en fait, non. Viens, juste on se taille, on cherche pas à comprendre, frérot. Tant qu'ils sont là, ils sont réels, ils sont vraiment là. On va se tailler. Ah! Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il m'avait niqué. Vas-y, 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 taille-toi, mon ref. Hop là! Ok, c'est bon. Oh là 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 là. On va dire que c'était juste un mauvais rêve, hein. On va dire que tout ça ne s'est jamais produit et que c'est juste le fruit de notre imagination, je sais pas, qui aime bien nous tourmenter des fois, avec un mannequin qui te suit. Et écoute, hein, c'est comme ça, notre cerveau des fois nous fait subir des épreuves très bizarres. Non mais là vraiment, je pense qu'on peut partir à Enmoapolis ou je sais pas quoi là, et peut-être qu'on pourra en finir de ce cauchemar. Le country là-bas, c'est bon, on l'a fait. Attends, du coup c'est ça là? Dinguerie, on peut déjà le faire. Mais attends, juste vérifier si on a tout fait. Ah regarde, l'ascenseur il est fermé là. De toute façon, je pense que si je sautais un truc, il va me dire il te reste encore tant d'ascenseurs. Bah attends, on va voir, ça dit quoi? Ah si, on peut y aller. Je crois que là c'est le vrai bail, les rey. Oh my god. Oh non, j'ai raté le truc de spa, non? Oh non, vraiment, j'ai raté le truc de spa, je crois. Ah non, je crois que c'est le spa. Enfin, je crois. Maintenant, je n'arrive pas à savoir. Ah bah non, oui, je pense que c'est le spa. Ouais, ouais. Mais c'est une vitre, ça. Ah, je crois qu'il faut appuyer ici, hein. Effectivement, ils aiment bien nous faire des petits bails. Ah oui, mais non. Après, si je fais ça, je suis foutu, regarde. Ouais, ouais, ouais. Du coup, on va essayer autre chose. Tac, on va faire un bail, ma foi. Voilà, ça, c'est des vrais bails. Voilà, voilà. Tac, maestro. Okay, c'est quoi, ça? Ah, il faut rentrer par... Ah! D'accord, pourquoi ça a fait ça, mon ref? C'est super dangereux de faire ça. On peut rentrer ici? Ou là? Ok. En vrai, j'aurais détesté qu'on puisse parce que j'aurais tenté ma chance. Mais si c'est un bail bizarre, tu vas te retrouver encore dans des chiottes, des vestiaires. Non merci, y'en a marre. Hein. Oh! Dinguerie! Mais du coup, est-ce qu'il va me répondre ou pas? Est-ce que c'est ça? This was laid out with a lot of people in mind. Je crois que ça veut dire ça a été conçu pour qu'il y ait beaucoup de gens. Sauf qu'en vrai, on n'est pas beaucoup de gens, si t'as remarqué. Attends, bah comment je fais du coup? Ah voilà. Hey! Mais non, mais j'avais envie de me mettre sur un truc! Oh! Oh! Oh, c'est mon rêve! C'est mon rêve! Il n'y avait pas du tout ça, je te jure, les toboggans, ils n'étaient pas faisables, les rails, avant. Attends, on va voir, est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on peut le faire à l'envers ou pas? Attends, on va voir. Attends. Oh, on peut. Normalement, c'est compliqué à faire, mais bon, je vais pas me plaindre. Vas-y, pousse ça, mon ref. Vas-y, vas-y. Mais quand je mets sur la bouée, ça marche pas, hein. Il faut que je me dégage de la bouée. Hi-ha! Oh! Oh, les belles sensations! Eh hey, mais je suis sérieux, je suis prêt à payer très cher pour un simulateur de parc aquatique. Nom de Dieu, qu'est-ce que ça serait kiffant. J'aime beaucoup, 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 vraiment. Ouais, mais du coup, je pense que c'est le truc de relaxation. Peut-être il y a un moyen de se tailler d'ici à partir de la Lazy River. C'est la rivière qui a la flemme, apparemment. Ok, wow, par contre, on a une détente de fou. T'es mal à physique, frère, je saute dessus, ça les fait sauter d'une manière incroyable. Ok, mais là, j'ai l'impression que je me suis trompé de chemin, là, parce que ça nous mène nulle part. On va essayer l'autre chemin, peut-être que ça sera plus simple. Eh hey, mais j'ai l'impression que le chemin est plus long maintenant. Oh non, je vais le casser, je vais tout casser. Je vais le casser en deux, le frérot, parce que là on était censé se retrouver sur la grande piscine avec le toboggan. Et là c'est pas du tout ça. Putain, il a trop travaillé son concept, le frérot. Tu prends un chemin, ça va pas du tout être le même chemin que t'as emprunté au départ. Je sais pas si t'as capté ce que je veux dire. Pourquoi les bouées elles bougent tout seules là, hein? Waouh, oh j'adore. Moi, les endroits comme ça, c'est mon rêve, hein. Il y a de l'eau partout, il y a des bouées, il y a de l'espace. C'est magnifique. Par contre, pour l'instant, j'ai pas vu des apparitions ou des trucs chelous.
Mais peut-être que cela ne va pas tarder, je sais pas. Ah, mais tu vois, là, je viens de passer par là, j'ai l'impression. Attends, là, t'es en train de... Là, il recommence le Tmenik, là. Alors, il y a quoi, là? Je sais pas, mais ce jeu, c'est un jeu où tu dois tenter ta... Pourquoi il y a des bouées qui bougent toutes seules? Ça me rend fou, arrêtez! Mais il y a un fantôme qui les pousse, là, je vais tout casser. J'ai juré, je vais tout casser. Mais ouais, je suis en train de tourner en rond. Pourquoi? Non, c'est bon, là, arrête, s'il te plaît, arrête de tourner en rond, je t'en supplie. Ça me rend fou, en fait, ça, je deviens fou après. Il a encore changé. Ah, voilà, oh, enfin, un nouvel endroit. What is this? Oh, c'est un grand toboggan. Enfin, un grand, pas du tout, en fait, j'ai le seum. Hein. Oh, j'ai trop kiffé. Il paraît franchement plus long que ça en a l'air. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, mais il y avait un endroit pour se tailler ici ou pas? Oh, on dirait qu'il y a un truc en haut là. Mais je sais pas si on peut y arriver. C'est par un autre endroit en vérité. Ok, j'emprunte un autre chemin en espérant avancer tout simplement. Plutôt que de tourner en rond. En fait, dans ce jeu, si tu te perds, tu reviens juste en arrière. Après, il y a un truc qui se débloque. À droite ou à gauche? À gauche. Oh non, il me remet au même endroit là. Ah, mais pourquoi il y a deux toboggans différents là? Tu vois, là, tu commences à me rendre fou encore une fois, mon ref. Enfin, il y a deux mêmes toboggans. En fait, je raconte ça que je voulais dire. C'est quoi ça? Ça m'énerve. Mais comment je fais pour arriver en haut là? C'est ça qui m'intéresse. Je vais arriver en haut. Garde tes toboggans pour toi, mon ref. Attends. Hey, mais il y avait un autre toboggan là. Mais il y avait. Ah, voilà. Mais il était pas dans ce sens là. Il est encore en train de me rendre fou. Non, mais là, j'ai l'impression qu'on va faire un toboggan. Et Starfall, je sais pas, à l'arrivée, on va se retrouver je ne sais où, tu vois ou pas. Non, mais c'est sûr que ça fait quelque chose quand on emprunte ces toboggans. C'est sûr et certain. Ok. Encore un autre toboggan. Oh, non, mais arrête. Non, mais là, si je vais par là et je trouve un autre toboggan, je deviens fou. Hein. Ah, non, c'est encore ce chemin-là. Communique avec moi, mon ref. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour débloquer la situation? J'ai l'impression qu'on peut faire ça une éternité. Il y a rien qui va changer. Please stop. Ça me rappelle un truc. Ah, voilà. Et ça me rappelle une citation de Vaz. Tu connais Vaz? Je parle pas de céramique, de Vaz ou de porcelaine ou je sais pas quoi. Je te parle de Vaz, le personnage dans Far Cry 3 qui disait « La folie, c'est faire la même chose plein de fois, de la répéter. » Et après, il disait quoi? Ah oui, et en gros, et s'attendre à un changement, en gros. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, tu refais tout le temps la même chose et tu crois que, bref, il va y avoir un changement, tu vois ce que je veux dire. C'est ça la définition de la folie. Et bah, c'est concrètement l'impression que t'as en jouant ce jeu. Tu te dis, mais attends, je deviens fou ou bien c'est juste le jeu qui se paye ma tête. Et bah, c'est un peu les deux. La vérité, c'est un peu les deux, mon ref. Oh, c'est charmant. Très, très charmant. Mais je suis bizarre. Il a pas pris l'option avec des trucs bizarres. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je m'attendais à plus de flippance. Peut-être que ça va arriver. Mais en tout cas, pourquoi encore le toboggan? Et je vais le tabasser. Hein. C'est bon, là. On est marre d'être gentil. Mais ouais, tu vois, parce que normalement, il y avait des apparitions dans l'autre, dans la démo, tu vois. Il y avait vraiment des apparitions, je vous jure, des trucs assez flippants. Oh, trop mignon, même petit toboggan. Je me suis dit, franchement, si c'est un bon gars, même le petit toboggan, tu peux le prendre. Et bah, effectivement. Mais tu vois, j'ai l'impression que j'ai raté un truc. À chaque fois, il me le remet dans ma face. Pourquoi tu me le remets dans ma face, mon ref? S'il te plaît, arrête avec ça. Hi-ha! Un changement ou pas? Mon ref, un changement ou pas? Dis-moi la vérité. Pff, regarde, le toboggan, il est encore là, frère. Il arrête pas de nous le remettre dans la face. Non, mais vraiment, je deviens fou là. Faut que je trouve un moyen de me calmer là. Parce que là, oh, avant de jouer au jeu, ça allait. Mais là, ça va plus. Ah non, peut-être là, il y a un changement. Là, je vois qu'il y a un petit changement là. Ça, c'est pas un truc que j'avais vu avant. Eh, oh, voilà, j'ai eu peur de la bouée. Attends. Oh non, on revient encore ici. Non. Mais frérot, je connais ça. Je connais ça. On dirait que là, je suis en train de revenir en arrière. Non, mais attends, on va revenir en arrière. On va revenir en arrière. Parce que dès que tu vois que c'est tout le temps la même chose, tu reviens en arrière et peut-être tu déclenches autre chose, tu vois. Ah, attends. Ça, j'ai pas vu. Depuis, attends, c'est vrai que je l'ai pas recroisé depuis. Du coup, là, je me dis, peut-être qu'il y avait un truc à faire ici. Ah, mais il y avait une porte. Il y avait une porte. Oh là là, j'aurais pu me sortir depuis tout à l'heure. Je te jure, ça a rajouté 10 minutes. Oh non. Oh non, c'est bad vibe, ça, quand même, non? Ouais, je me souviens de que là, il n'y a pas des très bons souvenirs. Ouais. Ah, là, par contre, on peut glisser. Ouais! Oh la dinguerie! Ouais. Par contre, ça va un peu vite. Mais bordel, c'est kiffant. C'est mille fois plus kiffant qu'à l'ancienne. Où, t'es là et juste tu marches sur les toboggans, tu vois ou pas? Ok, donc là, on va le faire quoi? On inverse? Sens inverse? J'en ai bien l'impression, hein. Ah non. Attends, on va se mettre par-dessus. Ouais, on va se mettre par-dessus. Je me souviens qu'il y avait un bail comme ça. Et après, on devient des hors-la-loi, frérot. Regarde, tu passes dans des endroits jusqu'ici inespérés, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi là, ça me rassure d'être en hauteur. Parce que je me dis, en bas, ça craint. Ouah, regarde. Ah non, en fait, il a quand même gardé cette possibilité de chelou. T'as capté. Parce que moi, je l'ai vu. Hein. T'as vu ce que j'ai vu ou pas? J'ai vu un mec chelou. Une petite silhouette bizarre. Qu'on risque, à mon avis, de revoir. Ah là, on plonge bien. Ah non, je t'avoue, j'appréhende quand même parce que je me souviens qu'il y a un moment après que j'aime vraiment pas. Attends, on peut sauter ici? Oh!
Si je me noie ici, personne va remarquer. Ah, j'ai capté ce qu'il a fait. C'est incroyable. Là, il a comme, genre, comment dire, j'allais dire partagé. Non, pas partagé, mais il a fusionné, en fait, deux niveaux. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le spa, en fait. Et ce truc-là, normalement, il était pas à la filée comme ça, tu vois ou pas? Là, il y a un petit mécanisme à faire quelque part, là. Ah ben non. Donc, pas de mécanisme ici, mais peut-être après. Mais bref, à mon avis, là, si on regarde à droite ou quoi, il me semble qu'on verra un truc, non? Ah, voilà, voilà. Aïe, 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 j'ai eu des frissons, là, quand même. Non, c'est... J'ai pas... Voilà, il était encore là. Kelb, arrête de me suivre, toi. J'ai dit arrête de me suivre. Je vais te mitrailler, mon ref. Non, quand même pas. Mais le mitrailler avec des mots, quoi. Il y a rien à propos de ces piscines qui a du sens. Mais frérot, il y a rien à propos du jeu qui a du sens. C'est maintenant que tu remarques ça, frérot. Vraiment, des remarques, ma foi, pas pertinentes, quoi, tu vois. J'aime pas trop. Mais ouais, ce hammam, il est hanté, hein. Ça, je peux te l'assurer. C'est certifié. Là, du coup, on remonte. Alors que je crois que c'est par en bas qu'on sort, non? Ou pas. Pas en fait, peut-être pas, parce que je me souviens qu'en vrai il y a une autre sortie mais par ailleurs. Mais est-ce que là, vu qu'il a, fait comme je t'ai dit, il a lié ses niveaux, peut-être que là la sortie, il faut aller la chercher au niveau des toboggans. Tu vois, normalement je pense qu'il faut peut-être partir là-bas, non? Mais là j'ai vu tout là-haut comment ça donnait, tu vois. Attends, non, peut-être je vais retourner ici. Ouais, il y a peut-être un endroit ici que j'ai pas exploré, c'est sûr. On retente ici, on retente et on va peut-être trouver des réponses à nos questions et peut-être qu'on va recroiser aussi le frérot très bizarre. Oup là, je me rappelle qu'il y avait une un bassin comme ça, on voyait le mec. Genre, tu plonges dedans et le mec il est en mode moi aussi en fait, je suis là, ça te dérange pas? Et tu dis ça me dérange, mais il reste quand même en fait, c'est ça qui est bizarre. Tu vois, peut-être c'est cette porte là qu'il faut atteindre pour se tailler, peut-être. Hein. Donc, effectivement, il faut bien être là. On est au bon endroit, les reilles. Attends, mais ça là, c'est quoi ça? Ah, ça c'est une sorte de réservoir d'eau. Attends, mais oui, mais ça c'est quoi? Oh, c'est notre. Oh non, si c'est ce que je crois, j'ai envie de mourir. Oh, Starf, j'ai envie de mourir. Oh non, c'est ici qu'il y a un truc très effrayant, les reilles. Et une entité là, je crois que c'est l'homme bizarre qui nous suivait. Et là, il faut absolument trouver. Un endroit pour se tailler et il faut faire attention au son. Donc peut-être qu'à un moment donné je vais devoir me la fermer pour écouter un peu, parce qu'il me semble qu'il vient on l'entend avec un certain bruit, je sais plus comment on le reconnaît, mais en bref il faut trouver la sortie. Voilà, je l'entends. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tout à fait, il y a quelqu'un. Il peut sortir des murs, je te jure, c'est vrai. Attends, si tu veux je te le montre. Oh putain, c'est lui. Salut mon ref. Oh, il faut que je me taille tout de suite. Ah ouais, j'avoue. Oh, y'a pas de jumpscare? C'est bizarre. Wouah, la dinguerie. Oh là là. Eh mais j'aime bien. Mais c'est cool parce qu'il met pas fin à nos jours. Tu vois ou pas? Parce qu'avant je crois il nous déglinguait. Hein. Mais je crois qu'il y avait un truc à faire avec les douches. Oh c'est trop stylé, j'aime beaucoup cette approche. Parce qu'avant il te faisait pas comme un jumpscare, mais bref, une kill cam quoi. Genre il faut que tu continues de bouger, ça dit. Ok. Genre en gros, ça fait comme un zoom sur sa tête et tout. En tout cas, je sais que c'était différent. Et je préfère cette approche là, tu vois, qui est plus subtile. Tu sens que c'est la merde, c'est assez pesant, t'as pas besoin de plus. Il faut qu'on continue de suivre en fait les panneaux qui disent exit. Là il est dans le coin là. Il est dans le coin. Merde, c'est où? C'est à droite. Merde. Je me suis perdu là. Attends, on va y arriver. Voilà, par là, s'il te plaît. Je te jure, on va finir par trouver. À droite ou tout droit? Je sais pas, moi, mon ref, au bout d'un moment. Ça me dit? Encore, continue de bouger. Ah, peut-être là. Wow! Oh, en vrai, c'est une dinguerie. Je pensais que ça serait plus compliqué. Et le développeur, si t'entends ça, please. Thank you very much. I want to pump you, you know, because oh my god. J'avais très très peur. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces vestiaires bizarres? Ouais, c'est vrai, mon ref, c'était très très chelou. Bah, du coup, je crois qu'on s'approche peut-être de la fin. Parce qu'il me semble que, genre, après ça, il y a comme des sortes de bureaux, je sais pas quoi. Mais en vrai, j'ai l'impression que les bureaux, au final, il les a mis au début dans les trucs de conférence ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Il a un peu remixé ce qu'il a fait. Et il a fait un bon mix. Je me balade un petit peu ici. Je me rappelle un petit peu du chemin. Là, il me semble, il y a plus de trucs bizarres. Enfin, après, s'il a pas rajouté des trucs, tu vois. Ok. Non, mais ouais, normalement, on est bientôt à la fin. Vous inquiétez pas. En vrai, je dis vous inquiétez pas, mais c'est moi que j'essaie de rassurer. Je sais pas si tu te rends compte parce que. Attends, il y avait une pièce vide qui servait à rien, je me souviens, non? Est-ce que c'est ça? Ah, voilà. C'est... Ah! Ben alors, mon ref. Non, mais là, t'étais gentil cette fois, mon ref. Je t'apprécie énormément pour ta générosité, mais reste bien derrière. Reste en chien, s'il te plaît. Ne viens jamais me revoir. Parce que c'était très désagréable, mais très stylé. C'était artistique. Il y avait un côté artistique. Je sais pas, tu sentais qu'il y avait un mec en apesanteur comme ça. T'as l'impression que c'était une âme égarée, une âme perdue. Par contre, c'est quoi cet endroit? Ça, y avait pas. Hein. Ça, y avait pas les rails. Hein. Oh, un autre ascenseur. Tu vois que ça va nous ramener à la place centrale. Vraiment très bizarre. C'est extrêmement bizarre, les rails. Alors. Ah, bah on revient ici, mon ref. Ça fait plaisir. Ah, il y a deux ascenseurs là. Et là, ça dit à la surface. Tu penses qu'on peut y aller? Oui. Oh.
Ah, il reste encore un seul ascenseur. Mais c'est quoi ce foutu ascenseur qui reste à faire? Attends, je sais pas s'il y avait deux ascenseurs ici. Apparemment, il y en avait deux. Et c'était pour d'autres niveaux, je pense. Alors, c'est quoi le dernier qui reste là, le Khay? Parce que il faut dire les choses là. Là, on a fait ça. Hein. Animopolis. Ah, Family Tropical Resort. Ah, c'était ça. C'était un truc de famille. Trop mignon, sa mère. C'était ça, en fait. C'était pas Animopolis, en fait. C'est tout l'endroit. Et ça, c'est quoi? Mais ça, c'est le truc des conférences. On l'a déjà fait, ça, non? Ouais, c'est bizarre qu'on puisse encore y aller, ça. Comme si, en fait, je l'ai pas complété. Il y a un truc là-bas. Par contre, pourquoi le panneau est noir? Non, ça c'est très bizarre. Bon, bah, du coup, panneau noir, mais on va quand même y aller parce que pas le choix. Parce que le jeu nous dit d'y aller, les Khay. Par contre, quand il s'est fermé, ça fait un bruit très bizarre. Pas sûr de où ça nous emmène. Mais rien que le bruit là que j'entends, c'est très bizarre. Attends, me dis pas, il m'a fait un coup de maître à la fin. C'est quoi cette histoire? Je veux sortir de là. C'est quoi ça? Non, me dis pas, il m'a fait un deuxième round avec le monsieur là. Parce que je te jure, le premier round, il était suffisant de fou. Ah ouais, là c'est réellement les backrooms. J'ai l'impression tel qu'on les connaît. Avec une ambiance presque lugubre. Pourquoi il y a un autre ascenseur? Ah non, me dis pas, c'est l'ascenseur dont je suis sorti, soi-disant. Hein? Going up. Bah, je me taille alors. Attends, si c'est vraiment ça. Ah non, je suis sûr, il va me faire un coup de méchant monsieur et peut-être qu'il va me réouvrir en fait sur là où j'étais, non? Ah bah non. Mais wesh, c'est une dinguerie si c'était vraiment juste ça. Ou bien peut-être qu'il faut vraiment choper un truc d'ici. Mais attends, c'est très bizarre cette histoire. Bah attends, je sais pas si c'est un reflet ou bien est-ce que l'ascenseur est vraiment ouvert, celui qui mène à la surface. Ah non, c'est juste un reflet. S'il te plaît, laisse-moi monter. Oh, il s'ouvre. Attends, mais je sais pas si j'ai eu de la chance ou bien si j'ai vraiment réussi. Bah, c'est bizarre. Mais j'ai raté un truc. Peut-être j'ai raté un truc de fou. Donc ça, c'est censé nous ramener à la maison. Ramenez-nous même à la maison. Je sors des backrooms, allez. 10 piges que je suis en bas. Dans un centre commercial avec un mec tout sombre qui me suit. C'est des bruits de pas. Hey, I'm in this elevator. Hey, je suis dans l'ascenseur. Over here. Elle a dit quoi? Tous les gens qui sont partis en bas, t'es la première personne à remonter. Ok. Malheureusement, ta connaissance de cet endroit est... Je crois que c'est un problème. Tu peux pas te tirer de là tout de suite. Il y a un ami à moi qui est en bas. Il me doit certaines choses. Ok. Hein? Elle a dit quoi? Elle m'a donné ça. On dirait que ça dit staff Allah. Alors que ça dit staff. Elle m'a dit t'en auras besoin. Ok. Bah c'est bien. Même si apparemment, bah, on n'a pas le droit d'être heureux dans ce jeu, frérot. Pas le droit de truc. Ouais, c'est trop bien, regarde, je peux le voir défiler tout en bas comme ça. Bah, j'aime bien l'idée de une sorte d'écran crédit, tu sais, avec une interactivité, ma foi. Une pas normale activité, tu vois, un truc. Il y a quelque chose qui se passe, là. En termes de créativité, voilà, c'est vraiment bien. Mais je crois que c'est fini, là, du coup. Hein. Effectivement. Du coup, c'était Amenez-moi la police, là, bref. Amenez-moi la police. Et, bah, vraiment, j'ai beaucoup kiffé. Je crois pas avoir raté des endroits, même si c'est possible, tu vois. Probablement le dernier endroit où j'étais parti là, ça avait l'air d'être un peu trop court. Donc peut-être que c'était censé être plus long, je sais pas. En tous les cas, moi j'en ai assez vu personnellement, tu vois. Il y a des endroits très sombres que je voulais pas explorer, ma foi. J'ai kiffé et j'espère qu'il y aura un chapitre 2 dans pas très longtemps, même si je pense que ça va prendre un certain temps, je vais pas te mentir. Je crois que le mec il est tout seul à faire le jeu, je crois. Hein. En tous les cas, prenez soin de vous, les chinois. Et surtout, n'hésitez pas à me suggérer des jeux comme ça. En ce moment, j'aime bien les petits jeux d'horreur, mais des petits jeux d'horreur qui ne sont pas comme les jeux d'horreur qu'on connaît, genre avec des jumpscares éclatés qui font très très peur. Moi j'aime pas ça, j'ai peur avec mon cœur, j'ai peur. Non, je prends pas de plaisir à faire ces jeux là, mais des jeux comme ça, je prends du plaisir. Donc si c'est des jeux d'horreur que vous savez que je peux prendre plaisir, et bah why not me les suggérer, peut-être que je les ferai. Prends ça de moi, je suis Léo, peace!